Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai démarré mon nounours. Voilà. Vous savez, le petit nounours en 3D, hein, le nounours. Voilà. je l'ai attaqué. Alors, j'ai pas fait beaucoup dessus. Je vous explique pourquoi pour l'instant. Alors, j'ai d'abord voulu essayer avec ma colle Cléopâtre. La glu, je sais plus le nom. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo. Non, ça fonctionne pas. C'est la colle est peut-être trop liquide, je sais pas. Mais bon, ça, je galérais au bout de 8 perles, j'en ai eu marre. Donc j'ai arrêté avec la Cléopâtre. Et j'ai pris la colle qu'une de mes abonnées m'avait conseillée, la B7000, je crois. Je remarque le nom, là. Ça y est, j'ai déjà oublié. Et là, nickel. J'arrivais bien à coller les strass, puisque là, ce sont des strass. Mais j'ai fait à la pince, parce qu'au stylet, c'était galère quand même au stylet, donc j'ai fait à la pince. Mais je n'ai fait que les deux oreilles là, enfin le devant, parce que je voulais voir si ça allait bien coller, hein, pas m'attaquer à faire toute la tête, bon, je ne ferai pas toute la tête d'un coup, mais faire une grosse partie, et puis qu'après je vois que les strass tombent, collent pas, ou voilà. Donc je n'ai fait que les deux devants d'oreilles pour l'instant. Là, j'ai laissé sécher plusieurs jours. Parce qu'avec la chaleur, malgré qu'il fait chaud, ben, tout se ramollit un peu hein, quand même. Et là, les perles tiennent bien. Il n'y a pas de souci. Rien n'a bougé. Donc, je pourrais continuer avec cette colle-là. Donc, j'en avais acheté 2 tubes chez Amazon. Alors, ce qui est bien sur cette colle-là, c'est qu'il y a le bout, c'est comme une petite aiguille. Voilà. Donc, et le bouchon, il y a une aiguille aussi dedans pour remettre. Donc, ça, comme ça, l'embout ne va pas se boucher avec la colle. Donc, ça, c'est bien. Donc, j'en avais pris 2 tubes. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver cette colle, si jamais ça vous intéresse. Mais vous pouvez coller tout avec. Hein. J'ai vu le plastique, le cuir, le papier, le carton, le marbre. J'ai vu, voilà, il y a plein de... On peut coller pas mal de choses avec cette colle-là. Donc, je vais pouvoir continuer mon nounours en toute tranquillité. Et je vais y aller un petit peu à la fois, hein, parce que là, il va me falloir du temps pour le terminer quand même. Parce que je ne fais pas que ça, vous le savez. Je voudrais des journées de 72 heures, s'il vous plaît. donc, voilà, aujourd'hui, vous allez voir ces 2 petites oreilles que j'ai faites. Et puis, vous aurez la suite sur... d'autres vidéos après. Voilà. Donc, je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. Je vous remets également en barre d'infos le lien, les liens pour retrouver le nounours. Hein. Donc, c'était de la boutique GBFKE, si je ne me trompe pas, que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien... non, c'est pas celui-là. C'est... Alors, je l'ai mis où? Vous allez voir que je... Ah, voilà. Oui, c'est ça. C'est la boutique GBFKE. Donc, je vous remets tous les liens utiles et nécessaires en dessous. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et bon visionnage pour la suite. À bientôt. Bisous, bisous.